La dernière légende de l'âge d'or d'Hollywood. Après l'ours Knut et Maître Capello, c'est la troisième personne de plus de 300 kilos qui disparaît cette semaine. Actrice de cinéma, comédienne de théâtre, mais aussi pilote de fauteuil roulant. Oh non. Elizabeth Taylor avait tous les talents. Sa carrière éblouissante aura été parsemée de récompenses. Deux Oscars inoubliables, mais surtout une bonne quarantaine d'Escars. Amoureuse passionnée, Elizabeth se mariera 8 fois. Ce sera donc là son dernier film. 8 mariages et un enterrement. Ah, pas mal. On se rappellera de ses yeux tantôt violets, tantôt jaunes après ses cirrhoses, tantôt bleus après ses disputes avec Richard Burton. Elizabeth était née en Angleterre. Je terminerai donc cet hommage dans la langue de Shakespeare et du groupe Texat. Après, My Taylor is rich. Aujourd'hui est un jour triste car My Taylor is mort. Il est mort, Paul le poulpe. Ce poulpe visionnaire qui voyait les résultats des matchs de foot de la Coupe du Monde emporté tel un vulgaire sushi. Non, Frédéric, je parlais de Georges Fraîche. Ah, pardon. Il est mort, Georges la baleine. Ce mammifère marin de plus de 600 tonnes, visionnaire qui voyait trop de noir dans les matchs de foot de la Coupe du Monde. On en reste là, Frédéric, hein, d'accord. On va parler maintenant de la star mondiale, à sa naissance connaissant une célébrité fulgurante qui fit de lui l'attraction principale du zoo de Berlin. Et puis un jour, c'est la chute, Knut n'intéresse plus personne, le téléphone ne sonne plus et les flashs arrêtent de crépiter. C'est alors la fin de l'icône, il se met à boire, un jour dépressif, un jour de bonne humeur. Il devient le premier ours bipolaire. On le voit alors traîner sa gueule d'ours tard le soir dans les bars de Berlin, ne sortant plus avec des top modèles, mais avec les morues du zoo ou quelques cougars égarés. Ah, pas mal. Il ne faisait de lui qu'un ours mal léché. Suicide, assassinat, telle une Marilyn Monroe, sa mort est devenue un mythe aujourd'hui. Oh, ah, magnifique. Toi, la régine libyenne du régime libyen. Toi, la bédouine botoxée. La Catherine Deneuve du désert. Vous êtes pas bien, non, monsieur le ministre, allons. Aujourd'hui, les vendeurs de lunettes moches sont en deuil. Les vendeurs de boubous horribles sont accablés de chagrin. Et les chirurgiens esthétiques de Tripoli Centre vont certainement mettre la clé sous la porte. Salut à toi, Moumou. Tu vas pouvoir planter ta tante Quechua dans le lointain, comme ta dictature Quechua aussi. Oh, magnifique. Bravo. Magnifique, je ne vous le fais pas dire. Stoppé net hier par les forces de l'OTAN, tu sais aujourd'hui mieux que quiconque que l'OTAN en emporte le vent. Oh, oui. Ah, quoi? Mais les disparitions, pardonnez-moi, c'est ma surface favorite. Ah, bah allez-y. Il est mort, le tennis français. Mort en cette fin d'après-midi de juin 1983, lorsque Yannick Noah souleva cette coupe offerte des mains de Jean Borotra. Ni Henri Lecomte, ni Amélie Mauresmo reconvertie dans le lancer de tronc d'arbre. Oh, allez. Ni même Fabrice Santoro, la Jeanne Calment des fonds de cour et des fonds de classement, ne seront parvenus à nous faire vibrer à nouveau. Je quitte un cours central glacé et vide de souvenirs de victoires françaises pour m'en aller chercher l'émotion du sport là où elle est la plus belle, dans la boxe thaïlandaise.